Et salut YouTube, ici Réa de retour pour la suite de cet Atlas. Ça se passe bien. Je sais pas si j'enlève ma Watchstone. Bon, peut-être que le conquérant il drop plus, vous allez me dire. Peut-être que le conquérant il drop plus. Non, ils disent pour spawn conqueror. Peut-être que si j'enlève la Watchstone, ça dit ça l'enlève aussi. Et j'ai pas envie de prendre le risque. Donc voilà. Ça c'est où? Glen Arcane, Cairns. Une pour spawn Conqueror, donc non, faut que je la laisse dedans si je veux une chance. Et donc donc j'ai pas de Watchstone à déplacer actuellement. Valdo's Rest, malheureusement, est-ce que... Ah, j'ai déjà une Watchstone dans Valdo's Rest. Donc je peux avoir du Conquérant qui spawn, ce qui fait que mes 3 maps ici peuvent être run tel quel. Ce que je vais donc faire avec Einar, pourquoi pas. Faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps aussi. Avec celle-là, plus de. Oula, plus de risque de me planter dans mes. Dans les portails. On n'a pas une version moins abîmée. Ok. Vous allez me dire, j'ai plus de mal à la contourner. Hein. Peut-être que je la rechangerai si jamais au final ça me va pas, mais bon, faut bien tester une solution à un moment. Oula, il y a du monde là de l'autre côté. Faut pas genre un peu mourir. Voilà, ça arrange. Le Rakango qui est maintenant décédé. Bon, ça va un peu plus loin là en fait. Ça y est, Ayanar qui décide de se pointer parce qu'on a enfin trouvé une bête. Beaucoup de feu dans le coin, c'est le moins qu'on puisse dire. Étage suivant. J'ai pas vu de conquérant, donc je pense pas que j'en aurai un qui spawnera sur cette carte. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est que j'avance les conquérants que j'ai déjà spawnés pour récupérer leurs Watchstones, mais... Je préfère d'abord finir mon bonus de complétion, actuellement je suis à 85 sur 150, pour pouvoir sustain les maps de plus haut level plus facilement. Cette map complétée en plus est une map qui peut dropper plus aisément du reste des sources. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce nouveau système de progression de tiers et tout, j'ai eu l'impression combiné en fait à Zana qui vend toujours autant de maps. Et qui permet de stocker les quêtes et donc les renouvellements d'inventaire, j'ai beaucoup moins eu l'impression de me retrouver coincé. Et de me retrouver dans une situation où je peux progresser plus loin mais je drop pas les bonnes cartes. Donc même si le système peut avoir des défauts, je le trouve suffisamment intéressant pour dire ok pourquoi pas. C'est pas mal. Troisième étage.
Hop. Pourquoi pas? Une side area avec juste des dégâts subis en feu en plus. Ça me va, hein, c'est jouable. Lulab. Non, pas très à Lulab. Je me suis trompé, c'était un des symboles qui m'a induit en erreur. C'est la reine. Et donc le boss. Voilà, je vais le Rogue Exile avant que la bête rouge ne vienne me poser des problèmes. Avec Nid Mirage, c'est dangereux quand même. C'était pas la bête rouge? Je croyais que c'était la bête rouge, mais apparemment c'était une bête jaune. Vous me direz, il y en a 6 dans la zone, donc. Voilà, voilà, mais. Bon, ça c'est fait. On a à peu près bouclé la carte, on va pouvoir aller vers le boss sans se poser d'autres questions. Juste poser, voilà. Sur des maps de Maligaro. Bien zidon. Et voilà. Destin m'appelle, j'ai bien compris. Ouais. Donc les deux dernières, c'est du Valdozrest et du Glenar Keynes. Bah, pourquoi pas, on va les faire de toute façon. Grim Quarters. Allons-y, je vais me garder la map du Shaper pour la fin, je pense. Ouais, non, le fait de pas pouvoir cliquer n'importe où et tout, je vais rebouger ça. Juste la descendre un peu, ça dit voilà, comme ça si je veux cliquer ailleurs, c'est pas forcément plus mal. Ça voilà, là si je navigue ici, les portails me gênent moins. Ouais, est-ce que je mets... Non, j'ai pas de mission rouge en fait, je suis en train de me rendre compte, donc je dois les ouvrir. Vanilla, mes maps rouges. Sans aucun autre accompagnement. Eh ben allons-y. La seule chose que je pourrais mettre, c'est genre des scarabées ou autre.
Va se méfier parce que sur ces cartes, bon déjà les métamorphes, il va falloir être très sélectif sur ce que je prends, hein. Éviter la vie supplémentaire ou la régène de vie à tout prix. Pour ce qui est de clean des trash, vu que c'est une map plutôt serrée, en tout cas celle-ci, ça devrait aller, parce que je risque pas trop de me faire submerger. Et derrière ça meurt bien quand même, faut dire ce qui est. Je garde pas mal de DPS pour ce qui est de clean les trucs un peu faibles. Hop, on attend que les explosions aient lieu, hein, parce que ce genre de truc, ça laisse toujours des explosions derrière soi. Ça peut être dangereux. Une arcaniste, j'aimerais bien la crafter, parce que ça, de mémoire, c'est lucratif. Que c'est ça qui donne de la monnaie. Par exemple, Firestorm, c'est vraiment pas bien. 8 objets additionnels, c'est bien mieux. C'est QFD. Encore. Je vais pas passer là? Ah, quand même. Pas. Oula. J'ai pas eu les araignées. Évidemment, le pathfinding a pas aimé. C'est assez agréable de se balader, de faire exploser les packs un par un. C'est encore plus agréable de pouvoir le faire à travers les portes, faut dire ce qui est. J'ai beaucoup apprécié. Peu baissé là, mais c'est passé.
coup, c'est pas par là, mais dans ce cas, par où est le boss? Par là-haut, probablement. J'avais oublié qu'il me restait un petit passage ici. Qui fait la place jusqu'au boss. La recette, c'est bon. Faudra que je reprenne des portails. Un peu juste en DPS, c'est là que j'aurais bien aimé avoir mon Link supplémentaire, mais bon, fait avec, hein. Et une mission de Zana, qui plus est rouge. Ce qui fait que je pourrais l'appliquer sur, sur Cratère si j'ai envie. Un petit peu dangereux, mais pourquoi pas, hein. J'ai pas eu le bonus, parce que je suis stupide et que j'aurais dû la corrompre. Mais je préfère pas. Enfin, celle-là j'aurais pu, mais celle du Shaper je préfère pas parce que je veux garder simplement le Area is influenced by the Shaper. Et vu que je l'ai pas encore faite, j'ai pas envie de corrompre, enfin de risquer de corrompre vers une T12 d'un. D'un type que j'ai déjà. Donc bon. Mais oui, c'est j'avais de base oublié que bah les mobs de tir rouge, il vaut mieux les corrompre si on veut les bonus complets dès le premier coup. Ok, celle-là je les avais pas. J'aurais cru. J'aurais cru. Bien, bah ceci étant fait, on va terminer, je pense, avec Cratère. Ça me complète pas mes objectifs bonus, tout ça, mais au moins ça me les débloque sur la carte. Est-ce que j'y mets une mission de Zana? Est-ce que j'ai le temps d'y mettre une mission de Zana? Je pense pas, hein. Autant la garder pour plus tard. J'en suis pas à ce stade-là. Base, est-ce que j'ai déjà fait une mission de Zana qui m'a renouvelé mon inventaire? J'ai pas de check. Non, j'aurais pu. J'aurais pu du coup. Mais c'est pas grave. Du coup, l'influence du Shaper, on va bien voir ce que je peux choper avec. Ça m'intéresse. Mais bon, j'aimerais choper un objet influencé pour le haut fait. Il y a peut-être moyen d'avoir mieux. Cratère, une map un peu labyrinthique, hein, avec des passages plutôt rectilignes, mais c'est plus arrangeant pour moi. Vu que, une fois que j'ai un couloir, j'ai juste à tirer dedans, quoi. Truc dangereux, pas ça me plaît pas trop. Hein, mais... J'ai bien celui-là déjà. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je me soignais pas. C'est peut-être une impression, mais c'est gênant. Bien sûr, je suis ralenti par le sol en permanence aussi, ça c'est
embêtant. Voilà, faut que je me mette en dehors du chill ground et ça passe tout de suite mieux. Les mobs sont tanky. Ce qui implique de faire donc plus attention que normal. Disais-je avant de mourir. C'est là qu'on sent les limites de ce build, enfin de cette version du build, à la fois en termes de dégâts et de tankiness. Dégâts, je peux monter un petit peu plus haut si j'avais le C-Link, mais j'ai pas pu l'acheter, donc hein, on fait ça. Le problème de la tankiness, lui par contre, c'est... C'est plus délicat. Ah, et ces mobs-là, en fait, c'est ces mobs de Kitava qui de base font super mal. Je vais l'éviter, j'ai pas envie de mourir en boucle sur lui avant d'avoir bouclé la map. Donc je vais prendre l'autre itinéraire. Voir ce qu'il me réserve. Parce qu'à la base, ces trucs-là, c'est pas dangereux, hein, les espèces de zombies. C'est vraiment les mobs de Kitava qui me font super mal. Et le reste est tout à fait potable. Clairement, je sens que le métamorphe sur cette carte, ça va être un gros problème. Si je peux l'éviter, je l'éviterai. Je vois ce qu'il y a comme affix, mais... Ça va s'annoncer complexe. D'ailleurs, est-ce que je l'aurais pas oublié sur l'autre map rouge? J'ai peut-être oublié le métamorphe. Si c'est le cas, c'est pas grave. Honnêtement. Je vivrais très bien sans. C'est solide, mais ça meurt hein, quand même. Ça finit par mourir. Tant qu'il n'y a pas du sol gelé partout dans l'arène, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à boucler la carte. Cassia, 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 je le sens pas bien. Dans un milieu étroit comme ça, elle aura pas beaucoup de branches, mais malgré tout, faut du DPS et je suis pas sûr d'avoir le DPS. La chose qu'on va faire, c'est clean de toute façon, parce que c'est un peu le minimum. Regardez cette strongbox. Il m'a congelé, mais c'est pas grave, j'avais une fiole. Regardez Cassia qui me dit 4.
4, dans quelle direction? La même, on dirait. Enfin, pour l'instant, une seule direction. On peut essayer. Pas de résistance qui plus est, donc je peux utiliser le setup de tour qui m'intéresse. Et tout est dans la même direction, donc on va se faire plaisir. On va se tenir derrière nos groupes de zombies. Et là, la résistance au feu me complique la vie. Hein. Heureusement que les dégâts des tours sont là. Ouais, la pompe a été détruite. Bien preuve que j'ai pas le DPS pour les maps rouges. Mais j'ai quand même. Eh, une huile noire, ça c'est bien ça. J'ai quand même pu clean deux trucs sur les 4. Donc clairement, hein, le ceiling ferait une différence, mais bon. Il n'y a pas que le ceiling. Tout est cool, le boss il est là. Peut-être en passant par là. J'ai totalement oublié le layout de cette map parce que je le fais quasiment, je la fais quasiment jamais, donc pour se souvenir de comment elle est faite. Non, en fait c'était pas le boss, c'est juste un raccourci. Pour se souvenir de comment elle est faite, c'est toujours compliqué. C'est un peu beaucoup labyrinthique, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Du coup le boss, non, il est tout en bas. Est-ce que je repasse là où il y a l'élite enchantée là? On peut retenter une dernière fois ce truc de Kitava un peu horrible. Non, c'est pas par ici, non. Là, il y a une zone dans laquelle je peux esquiver un petit peu, et ça, c'est le bon point. Esquiver sans me retrouver dans le... Voilà. Dans les zones de froid, et ça, ça fait la différence. C'est pas un joyau que je vois souvent, ça. Visuellement parlant, il me dit rien. Oh, j'ai pas pris le bon truc. Reckless Defense, c'est ça. Chance to block, chance to block, et chance de critique augmentée contre moi. C'est pas un joyau que je vois souvent, parce que de base, c'est pas un drop courant, mais c'est pas un joyau très utilisé non plus. Parce que bah, des chances de critique augmentées sur soi, ça n'est utile que si vous jouez genre un build full block et que vous avez envie de monter votre blocage comme ça, et que vous jouez The Brass Dome, qui est je crois le torse droppé par le Minotaur, qui dit que vous ne subissez pas de dégâts supplémentaires des coups critiques. Ce qui fait une différence monstrueuse, bien sûr, contre les maps qui ont des coups critiques augmentés et tout le touti, mais avec ce joyau, bah, forcément vous voyez très bien la synergie. Et toi, t'as un bouclier de proximité qui est particulièrement embêtant. Voilà. Et là, on a notre boss. Heureusement que j'ai pu clean les golems tranquilles sans qu'elles prennent l'aggro, parce que sinon... Je suis pas fan des storms. Des flame storms. Plus toute la map résiste au feu, donc de façon générale, c'est un peu délicat. Il
Pourquoi est-ce que je mets un Frost Bomb? C'est essentiellement pour la régène si jamais il y en a, mais à mon avis il n'y en a pas. Par contre, j'aimerais bien que mes balistes aient le temps de toucher un tout petit peu juste pour appliquer l'aveuglement. L'aveuglement qui fait une bonne différence. Je reprends ma vitesse d'attaque complète et ça aide un petit peu. Hop, on se remet au cac. Donc il n'y a pas beaucoup d'orage sur ma tête, je m'en sors. Voilà. J'ai la complétion, j'ai pas la complétion avec le bonus, mais je m'en fiche. C'est pas ce que j'étais venu obtenir en premier lieu. Et bizarrement, là, j'ai, enfin, je pourrais faire ça, vous voyez, mais j'ai pas envie. J'ai pas eu d'objet Shaper, d'ailleurs ça c'est la tristesse, le Shaper n'est même pas intervenu, il y avait l'influence, mais nada. Vous voyez, en fait, ça en plus, ça je le ferais bien. Hein. Je le ferais bien comme ça. C'est dangereux, mais j'ai pas trop le choix, et la zone est pas trop mauvaise pour l'affronter, hein, c'est probablement la meilleure option que j'ai. Ouais, alors cette attaque-là, on la connaît, hein, on sait à quel point elle est létale. On a pas envie de se la prendre. Ouais, non, c'est même pas la peine. Je vais pas pouvoir le faire juste parce que les Kitavazeral qui sont dedans sont trop dangereux. Il va juste me tuer en boucle. Donc, je ne prendrai pas le risque. Parce que ça ne sert à rien. Waterway est déjà faite. Et là, j'ai des gemmes avec de la qualité. Faudrait que je mette de la qualité sur mes gemmes de DPS aussi d'ailleurs. Ça ferait une différence. Ça ferait une différence. Alors normalement, je crois que c'est violet, noir, argent, gold ou un truc comme ça. Enfin, c'est un gradient dans ce sens-là, oui. Si je me plante pas. Enfin bon. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour la vidéo comme pour le stream. J'espère que pour ceux qui me regardent en stream, ça vous aura plu. Je vous retrouve plus tard dans la semaine pour d'autres streams, que ce soit sur PvE ou d'autres trucs. Pour ceux qui me regardent en vidéo, bien sûr, je vous retrouve demain à la même heure, normalement, si rien ne m'empêche d'enregistrer d'ici là. En attendant, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et ciao tout le monde.